Kembo Masanjoli Seigneur, ezonga pana yo, parce que sa yo nzambe to kosale lo kote, lo kumu ezonga pana o Yesu Masia, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci le Dieu Tout-Puissant, merci incomparable Dieu. Te kosenga mawana nzambe kati na biso, nzamba eba na kolimbisa biso, nzamba eba na koyokela biso mawana nyonso esali biso. Oyo nyonso to sala ke se pesa ki nzambe te. Okokolo bake na sali na nga lisumu te nga mona za komi yeba. Me peut-être kokanisa ke loko moko nzamba sepela ki nango te. Osimba ke loko moto koma ki place moko nzamba linga ki te. Yebisa nzambe yo ke la nga ima wa purifie nga na makila na yo. Zamba peto la yo nzamba soko la yo. Ay peto la masumu nyonso na makila Yesu Masia to bondeli na kombo na Yesu. Mawana yo le Dieu des armées, mawana yo Seigneur kataba moi na biso Yesu, mawana yo Jésus est dominé li sous kataba vie na biso. Papa na lola tala et yo mo kosi asa sembo Seigneur. Yesu na kosi na bolimi si zambe. Na oyo nyo soto lo baki, na oyo nyo soto sala ki, na oyo nyo soto kanisa ki zambe. Mawana yo za likola ba vie na biso, mawana yo likolo ya bana na biso, mawana yo likola ba foye na biso Seigneur. Molimo mo santu yaka, molimo na
ka Emmanuel baba santuya ka molimo na zambe ya kalelo molimo mo santuya ka molimo na zambe ya ka yo ekita papa na lola ya kalelo molimo mo santuya ka molimo mo santuya ka ina tope lio ekita na tonga lelo yo ya kalelo molimo mo santuya ka molimo mo santuya ka molimo na zambe ya ka papa na lola ya kalelo molimo mo santuya ka molimo mo santuya ka molimo na zambe ya ka lombe mo bali ya kalelo molimo mo santuya ka molimo mo santuya ka baina tomboli yo ekita elika mo tema ya kalelo molimo mo santuya ka Il y a des aliments à l'âme éducateur. Il y a des aliments à l'âme éducateur. Il y a des aliments à l'âme éducateur.
Molimo na nzambe kende protéger moko na moko za na nzela ko koma kata we sika molimo na nzambe kende ko épargner bango na ba accident na ba problème nyoso dia ba planifier molimo sant na nzambe kende ko pesa ba bazana banda ku makasi te makasa ko koma kata na we sika to tiki ba bazana banda ku na nzela maboko na nzambe molimo na nzambe za contrôle ya nyoso prier au nom de Jésus Christ ko be ya molimo sant na nzambe na kata lilo ba na nzambe le Dieu ke Dieu sa lilo maître de moi ça c'est toi le Dieu qui t'en fait papa yango te ko bele la oke de ko convaincre ba peuple na yo ko oke de ko convaincre ba fidèle ba o bazu bo mo bouye ba ko pesa ba ngo courage ba o bazu découragement seigneur yo ba ko fortifier ba ngo lisoso seigneur kanga mato ina ba ngo na ba sang o no so contre ya diable ba e ba ko yo ka son na yo saint esprit fungo la mato ina ba ngo ba yo ka appel o mo le berger sa lito bele la na kati na désert yango te bele yo le saint esprit te bele yo mo limo na nza que de le monde maître des moissons que de comme ma ba ouvrier na katina estua que de comme ma ba fidèle na katina sua ba o ba sali na katina banzela ba o ba sali de courage ba o ba sali na katina bolebu ba o no se ba sali na katina makambo adenge na denge ba o no se ba yo kati mongongo ya bonguna yo ba ko lo bola ya ngope se ba yo ka in voa o voa ya molimo mo santu na nsambe parce que le dieu te mon côté ko sala ma soki yo le bute mon côté ko koti sa ma ce qui est salité yango to beleli o molimo na nzambe to beleli o santo to beleli te présence na yo seigneur parce que tangu yo te lobi bango na basa ko disparaître tangu yo sali ko kondu mo so ya mongu ne sali ko koya yango to beleli présence na yo saint ta présence o ko ye ba ko redu ko su présence na yo e ba ko me na bango ba e ba ko ya bango ye ba ko na bango ko le ye ba ko ba ke la bango mo ko la bango la kata ba tsiba mo ko la bango la merci Jésus.
Namo na yo Yesue. Namo na yo. Namo na yo Yesue. Namo na yo. Nalina simba yo Masia. Nasimba yo. Kaina simba yo Yesue. Yeah.
milele Yesu ni Bwana hata 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 milele Yesu ni Bwana Hosanna Alleluia Hosanna na Yahweh 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 Alleluia Toke milikolo toke ko autorité siko toke kote mais la puissance union soit molili puissance union soit ya ténèbres kat na we sika nyo soza ya pongi nyo soza ya dérangement nyo soza ya distraction tozu autorité toza kote le mais la molimo nyo so ya monguna to prier na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur tozu pouvoir na milikolo toke ko be bisa nyo so ya ténèbres toke ko be bisa nyo so monguna nyo soza Au nom de Jésus,
Manifeste-toi dans ma vie.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tobeti maboko, beta maboko, beta maboko. Nzambo asaliongolu lisusu, beta maboko, nzambo renouvelé lisusu. Sikoto lito bine la Nzambe, s'il te plaît, ba oba vandi ba telemi pour le kumwezonga pa Nzambe. Nako bangate kolona ngai ye azali mosungi nanga ye mobundeli nanga nako bange lokoteo ye azali mobateli nanga nako bangate kolona ngai ye azali mosungi nanga bona yebi ya solo e akolongisa nga ye azali mobateli nanga ngai nako bangate kolona ngai ye azali mosungi nanga bona yebi ya solo akolongisa nga ye azali mobateli nanga bona ko bangate yawe nangai ye azali mosungi nanga na yebi ya solo akolongisa nga Yazali ko bateli nanga Otika nga ina yembela Yesu we Yabo yonga na yembela ka Yabo yonga na salela ka Yabo yonga na kumisa ka Yazali zambe ya solo Otika nga ina yembela Yesu we Yabo yonga na yembela ka Bateli nanga Ataba pasata minyoko Ngana kanga mana ye Ye azali mosungi nanga Kona yebi ya solo Akolongi sanga Ye azali ko bateli nanga Weti kanga ina beta maboko Lambo yonga na ebe laka Lambo yonga na sale laka Lambo Yemba ya Yesu Ya Yesu ngana longe Yemba ya Yesu Ya Yesu ngana longe Bitumba yo bundi ngana longe Bitumba yo bundi ngana longe Yemba ya Yesu Ya Yesu ngana longe Bitumba yo bundi ngana longe
Adonai, son nom.
Commence à déclarer des paroles dans ta vie. Commence à prier, déclarer des paroles. Toutes tes paroles négatives, toutes tes paroles qui ne confessent pas Dieu. Begin to pray. Commence à entrer dans les lieux spirituels. Commence à prier maintenant. Commence à déclarer. Commence à déclarer si ta santé. Commence à déclarer dans la vie. Dis à Dieu maintenant, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Lorsque maintenant Dieu. Lorsque l'extérieur est Dieu. Lorsque maintenant Jésus. Que tu déploies ton esprit. Dans ma vie, l'éternel. Yahweh, les paroles négatives. Là où les démons se présentent, là où les saints se sont présentés, laisse maintenant Jésus, je renverse les portes de la peur, je renverse les portes de la magie, je renverse les portes de la sorcellerie, je renverse tous les portes, laisse maintenant Jésus, que ton esprit descende dans la vie, laisse que le Saint-Esprit entre là où il y a les barrières, là où il y a les chaînes, entre là où il y a les problèmes. Les portes des écrits des cieux, les portes des écrits des cieux, laisse ce matin que le Saint-Esprit descende sur ta vie. Qui a Dieu revoir. Au nom de Jésus. Hosanna. Nous recommandons ce moment, Seigneur, entre tes saintes mains. Lorsque la grâce et la faveur descendent dans nos vies. Remplis ce lieu par ta puissance, l'Éternel.
Car la Bible dit, là où deux, trois sont réunis à ton nom, tu es au milieu de l'éternel. Nous croyons qu'aujourd'hui ou jamais l'éternel, que ta puissance nous rendra libres, ta puissance nous séparera de mauvais esprits l'éternel. Lorsque aujourd'hui l'éternel, car la Bible me dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Seigneur. Lorsque la vérité de ta parole descend dans notre vie l'éternel, que cette parole soit le bouclier pour nous, la nuit et le jour l'éternel. Que cette parole nous console, que cette parole trace le chemin l'éternel et Dieu. Car ce jour-là, tu as dit à Jean, je remplirai mon peuple par une plénitude de l'onction l'éternel. Lorsque aujourd'hui, Yahweh, que tout le monde qui se présente dans ces lieux, que la plénitude de ton nom descend dans leur vie. La plénitude dans les mariages, la plénitude dans tous les domaines, la plénitude financière l'éternel, lorsque la plénitude de Dieu va dans leur cœur. Car tu as dit ce jour-là, je suis l'éternel et Dieu, c'est moi qui sonde dans les cœurs et les rends l'éternel. Que lorsque maintenant Jésus, tu consoles les cœurs brisés, tu récupères et tu déloges l'éternel, le plan de l'ennemi. Dieu va, c'est maintenant ou jamais. Nous disons un grand merci à toi pour la vie et pour toutes les choses. Que le ciel reste calme, que la terre obéisse, parce que tu veux parler à ton peuple. In Jesus' name we pray. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Non, là tu as acclamé pour moi, tu as acclamé pour le modérateur. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons pour Dieu. On va gérer. Il est l'éternel Dieu. Il est Yahweh. Amen. Ce matin, on va prier. Je serai vraiment très court. On va prier beaucoup. Je dis un grand merci à tout le monde. Je dis merci à toute l'Église qui ont soutenu notre papa Félix, qu'il a fini ses études. Vraiment, ce n'est pas facile. Je sais qu'il y avait les fléaux, il y avait des tentations. Parfois aussi, il y avait des découragements. Mais notre Seigneur est fidèle. Il a manifesté son amour envers lui. Et aujourd'hui, il a fini ses études. Nous sommes vraiment fiers. Nous disons merci à tout le monde qui était là, malgré notre absence, mais prédicateur. Amen. On était vraiment ensemble et j'ai béni le Seigneur. Et j'ai béni aussi tout le monde qui était là pour soutenir aussi notre papa Patrick. Et nous étions là hier à la collation aussi. On bénit aussi le Seigneur. Je crois qu'ils étaient vraiment fatigués parce qu'ils ont fini tard. Et le dimanche prochain, nous serons ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faites-moi ça, Jonathan. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1er, verset 11 jusqu'à 15. God. On peut honorer la parole de Dieu. Ruth, chapitre 1er, verset 11 à 15. J'ai lu au nom de Jésus. Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon ventre des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour me remarier, et même si je disais, il y a de l'espoir pour moi. Si ce soir même j'étais remarié et que je mette mes fils au monde, attendrez-vous pour cela qu'ils grandissent? Refusez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes filles, mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi et sanglotèrent encore. Puis, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit alors, ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne-toi aussi comme ta belle-sœur. Quelqu'un peut dire, Orpa doit partir. Non, je ne t'attends pas, j'ai dit, Orpa doit partir.
Il faut que Opa quitte ta vie pour que toi tu avances. Alléluia. Prenez place. Dans la vie, pour réussir, pour avancer, il te faut contrôler l'atmosphère des gens qui sont autour de toi. Lorsque vous êtes attaché avec de mauvaises personnes qui ont l'énergie négative, sachez-le que vous n'allez pas avancer. Pour avancer dans votre vie, vous devez vous entourer aux gens qui ont l'énergie positive. C'est là que votre vie aussi changera. Changez-moi le micro, s'il vous plaît. C'est là que votre vie doit changer aussi. Mais si vous êtes attaché aux gens qui n'ont pas l'énergie, sachez-le que vous êtes en train de détruire votre propre vie. Jésus. Amen. Amen. Ce jour-là, un homme, il était vraiment très courageux. Pendant l'autre, donne-moi des blagues là. Jésus. Jésus. Gloire au Seigneur. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. C'est les caprices techniques. Amen. La Bible dit, un jour, il y avait un homme qui était vraiment très beau. Il avait beaucoup d'argent. Cet homme, lui, comme il avait beaucoup d'argent, il s'est décidé d'avoir deux femmes. Or, pendant qu'il avait deux femmes, l'autre qui était venu, qui a donné la naissance, ou c'est qu'il a fait l'amour avec Ruth, avec Naomi, avec beaucoup de gens. Mais ici, je veux parler de la famille de Naomi qui sont les Moabites. Or, que lorsqu'on voit dans les Moabites, ce sont des peuples qui ont venu avec l'inceste. Ce sont les peuples qui ont fait les mauvaises choses, mais au moins la grâce de l'Éternel était sur eux, parce que Dieu savait, chez les Moabites, il y aura aussi les gens qui vont sortir pour sauver qui? Pour sauver un peuple. Alléluia. Je ne vais pas expliquer vraiment tout ça. Mais je vais parler qu'une chose ici parce que je vais te donner la position de prier. La Bible dit, cet homme, il était là à côté. Lorsqu'il est parti, cet homme a laissé sa femme avec les enfants. Maintenant, les enfants ont grandi, ont eu des relations avec des femmes. Ce sont qui? Des étrangers. Il y avait deux femmes là-bas. Il y avait Orpa, il y avait aussi Ruth. Dans toutes les choses que Ruth faisait, rien n'avançait. Dans toutes les choses que Ruth essayait de le faire, rien n'avançait. Pourquoi? Parce que Orpa, il était à côté là. Amen. C'est pour cela, je suis allé comprendre que si nous voulons avancer dans notre vie, la première chose, nous allons contrôler notre entourage. Ça peut arriver aujourd'hui. Tout le monde peut voir les gens sont en train de faire les miracles. Ils sont en train de courir. L'homme de Dieu, je veux me connecter avec toi. L'homme de Dieu, je veux être avec toi. Pasteur, je veux ceci. Maman, je veux être avec toi. Papa, je veux venir à toi. Il y a d'autres personnes, quand ils viennent dans votre vie, ils siègent seulement. Ils ne produisent rien. Quand ils viennent dans votre vie, ils sont là seulement pour utiliser la grâce que toi tu en as. Alléluia. Mais la Bible dit ceci, Ruth ne pouvait pas recevoir ce que Dieu a fait dans sa vie tant qu'Orpa, il était là. Amen. C'est pour cela même Abraham, pour recevoir la bénédiction, il a fallu que son neveu fait quoi? Se sépare avec lui. C'est là que la grâce de l'Éternel a fait quoi? Est descendue. Mais lorsque vous êtes toujours attaché à une personne qui a l'énergie négative, sachez-le que ça va détruire même votre propre énergie aussi. Tu ne vas pas avancer. Tu peux travailler dur. Comme Opa est encore dans la maison, rien ne changera. Mais je prophétise ce matin, tout est Opa de ta vie. Il va te laisser partir. Bien m'écouter, ça peut arriver même une femme que toi tu as épousée. Si elle a l'énergie négative, elle va détruire toute ta vie. Alléluia. Quand tu es là, il faut être un homme spirituel. Le monde que nous sommes en train de vivre, le monde c'est la spiritualité. Dans la spiritualité, c'est seulement nous physiques qu'on est en train de jouer. Mais les sorciers ne jouent pas. Les sorciers pour contrôler, et pour faire les relations avec une personne, les sorciers prennent le temps de comprendre l'énergie de cet homme, de comprendre son esprit, si réellement il a le même esprit avec eux.
Alléluia. Le monde spirituel, ça communique avec le monde physique. Écoutez, je vais retourner ici. J'ouvre la parenthèse. Dieu est venu. Il connaissait que quand je vais revenir à la terre, je marcherai sur les eaux. Mais il a dit, il a donné l'ordre que les eaux prennent la puissance d'obéir à sa parole seulement. Parce que quand Pierre a voulu monter sur les eaux n'ont pas obéi la voix de Pierre. Parce que Pierre n'a pas la même énergie avec de l'eau. Alléluia. Je ne serai pas très prophétique. Mais Dieu a dit ceci, que la lumière soit. Mais toutes les choses, Dieu a créé. Mais il a fait l'appel à la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière était déjà dans le royaume de Dieu. Il a fait l'appel à la lumière. Lorsque vous avez la lumière positive, vous devez vous dominer dans tous les lieux que vous allez. Vous devez dominer dans tous les lieux chez tout le monde. Mais lorsque on vous domine, sachez-le que tu n'es pas dans les bonnes voies. Alléluia. Il y a d'autres personnes, nécessairement et obligatoirement, ils sont obligés de partir pour que toi tu règnes. Ils sont obligés de te laisser pour que toi tu fais quoi? Tu avances. Même dans les relations, même dans nos vies, même dans nos familles, il te faut le déplacement pour que ta vie change. Si tu veux avancer, regarde à gauche. Mais toi et Ambroise, il n'y a pas de relation. Moi et de la vie, il n'y a pas le courant. Mais je veux quitter cet homme. Mais si tu es toujours en train de pleurer de jour au nuit, oh non, c'est parce que c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire, je peux venir à la maison prophétiser. Je peux t'appeler au téléphone. On peut se rassembler ici. Tant qu'il y a l'énergie négative à côté, rien ne changera dans votre vie. La Bible me dit ceci. Quand Naomi a dit ceci, même si je me remarie encore, même si Nabali l'issusu, même si Naboti l'issusu, Bananangaba Kokoka l'issusu, Yakoba Labino, est-ce que vous serez toujours là, en train d'attendre mes fils, mais non, c'est impossible. Bien, mais laisse-moi te dire, moi j'ai béni le Seigneur, parce que c'était la parole de Dieu, parce que lorsqu'on n'a pas regardé, on n'a pas dit ceci, je suis en train de perdre le temps, mais moi je vais aller chercher ma vie ailleurs. Bien, mais laisse-moi te dire, quand le temps de l'Éternel a sonné, les hopes eux-mêmes vont quitter, les hopes eux-mêmes vont laisser ta maison, les hopes eux-mêmes vont laisser ta famille, les hopes eux-mêmes vont laisser votre finance. My God, je suis en train de parler à une personne. Lui qui est en train de décider, il prend la décision contre goutte. Est-ce que si je me sépare avec lui, le monde dira quoi? Si je laisse ma femme, le monde dira quoi? Si ta femme, si ton mari, il a l'énergie négative, je dois me séparer avec lui, afin que j'aie la vie à l'extérieur, afin que je règne encore. Je ne suis pas ici pour diviser, mais je suis ici pour séparer ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, on va regarder Naomi. Il dit, Naomi, je sais, tu as tout fait pour moi. Je peux vous amener dans le monde d'imagination, dans nos familles africaines. Quand quelqu'un veut voyager, il s'assoit à la réunion à la famille. Il dit, papa, maintenant moi je vais aller faire ma vie. Papa te regarde, papa te bénit. Papa te dit, allez en avant. Là-bas, le Seigneur sera avec toi. Là-bas, tu seras ceci. Mais je crois, il y a d'autres qui te regardent. Les autres parlent aussi mal. Voyons voir comment il va gagner là-bas. Voyons voir s'il va avancer. Je suis en train de voir même. Parce que quand Naomi a écouté la parole de Opa, la parole de Opa n'a pas bougé le cœur de Naomi. La parole de Opa n'a pas changé. La séparation de Opa n'a pas changé. Mais quand elle est retournée à Ruth, elle n'a pas parlé les mêmes paroles avec Naomi, mais elle a fortifié Ruth par la connaissance et la sagesse. Pourquoi? Parce que Ruth avait la grâce de l'Éternel. Même si les ténèbres s'élèvent, comme tu as la grâce de Dieu, l'Éternel s'élèvera toujours le dernier pour changer votre destinée. Le Seigneur s'élèvera toujours le dernier pour accomplir ce qu'il a promis à toi. La Bible dit, Oprah a pris la décision de partir. Depuis ce jour-là, la grâce de l'Éternel est descendue sur Ruth. Maintenant, quand le Oprah vient dans votre vie,
la première chose, va commencer à opérer par l'imposition dans votre famille. Alléluia. Papa David, comme moi je suis là, c'est moi le chef de la maison. Aïe, depuis quand? Les Europras, ce sont des orgueillers. Quand Orpa est dans la maison, Orpa, elle va se comporter différemment avec toi. Même si elle vient s'asseoir avec vous dans le même toit, toi, tu es l'autorité de cette maison, mais Orpa amènera un esprit qui va te dominer. Tu n'auras plus la force de contrôler ta propre maison. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que lorsqu'on rentre dans le débit, on rentre derrière dans l'histoire, avant rite, il y avait l'esprit de Orpa qui dominait même dans la famille de Naomi. Parce que toute la famille pensait toujours à Orpa. Les gens ne regardaient même pas si rite elle existe là-bas. Pourquoi? Parce que Orpa dominait. Alléluia. Mais il y a des Orpa qui doivent laisser. Il faut laisser. Quand Orpa veut partir, laisser Orpa aller. Et ta délivrance commence là. Alléluia. Naomi a embrassé Orpa. Elle dit, allez. Quand elles se sont retournées à Ruth, elle regarde Ruth, elle a pleuré. Elle a dit, fais comme ta belle-sœur est partie. Lorsque vous avez la connexion avec votre partenaire, elle dira de bonnes paroles. Votre souffrance est ma souffrance. Si tu n'as pas mangé, je ne mangerai pas aussi. Si tu manques, moi aussi je vais manquer. Mais lorsqu'il n'y a pas de connexion avec votre partenaire, l'orgueil viendra. Aliena nute, a longanga kuna. Amisale la makambune yemoko. Asalina lubwete a longolanga kuna. Même Dieu dans les cieux, il connaît. Il va vous séparer. Parfois, ça nous vient difficile de se séparer. Parce que nous sommes restés 10 ans, parce que nous sommes restés 3 ans, parce que nous sommes restés 1 année. Mais quand ça ne marche pas, ne pose pas beaucoup de questions. Mais rentre derrière, prends une bonne décision pour toutes. Alléluia. Ne faut pas forcer. Lorsque vous forcez des choses, les Orpas seront toujours là. Les Orpas ne partira pas. Et votre vie tournera toujours au rond. Bakoueto. Alléluia. Ça m'est arrivé un moment, j'étais dans la famille. J'ai prié, mais la vie était toujours autour. Je pars chercher l'argent, j'ouvre un petit cabinet là, tout un coup comme ça, le courant fait de fusibles. Toutes choses étaient brûlées. J'ai appelé ma soeur, j'ai dit, je vais ouvrir encore au cabinet, ceci, le PlayStation. J'ai ouvert les stations là, que les enfants viennent. Je pars à l'église dans mon retour comme ça, les choses ont pris feu. Rien n'est marché, mais j'étais où? Dans ma famille. Le jour où j'ai pris la décision de quitter ma famille, c'est le jour là que j'ai gagné la loterie. C'est le jour là ma vie a changé. Je suis devenu différent. J'ai travaillé à Pain Victoire. J'ai parté à l'école. J'ai ramené même d'autres choses à la maison pour donner à la maison qu'on mange. Alléluia. J'ai quitté le lieu. La délivrance aujourd'hui, ce n'est pas seulement que tu viennes, je t'impose la main. Je peux te dire, papa, quitte la maison que tu as. Va pour mentalement à l'hôtel. Reste là. Après 3 semaines, tu vois que les choses changent. Tu vois que la vie change. Les Orpas doivent partir pour que toi, tu règnes. Quand les Orpas sont toujours là, les Orpas viennent avec l'esprit de la division. Orpa va t'amener dans un lieu neutre où il va te séparer avec tout le monde. Avec lui-même, il te contrôle. Quand Orpa vient dans la vie d'une personne, si tu n'as pas le discernement, Orpa s'imposera. Orpa va commencer à aller de gauche à droite en disant, comme tu vois papa Félix, c'est mauvais. Il ne faut pas suivre tout ce qu'il est en train de dire. Comme tu vois Pasteur Étienne, c'est un magicien. Il ne faut pas suivre. Comme tu vois Maman Dorcas a ceci. Orpa te sépare avec tout le monde. Maintenant, tu t'es retrouvé isolé. Personne ne peut t'aider encore. En ce moment-là, Orpa va te tuer. Alléluia. La Bible dit,
Quand Delilah est rentrée pour la première fois, elle a tenté. Elle n'a pas réussi. Elle dit, je comprends maintenant. Il a enlevé lui dans le terrain qui peut se protéger, qu'on peut lui aider, que les gens peuvent venir intervenir à Memioab dans les camps des Philistins, dans le palais royal des Philistins. C'est là que Delilah a pris la force. Il n'y a qu'au contrôler vie. Alléluia. Quand Oprah est dans votre famille, Oprah apprend tout, même votre argent. Oprah vient avec la jalousie. Oprah vient avec la haine. Tout un coup comme ça, vous êtes bien, lui se réveille le matin. J'aime pas les papas ici. Qu'est-ce que les papas ici viennent tous les jours à la maison? Je ne veux plus voir encore ces papas ici à la maison. Aïe! Qu'est-ce qui ne va pas? Mais Oprah, quand elle est partie, la grâce de l'Éternel est descendue sur Ruth. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ici, je vais parler un peu, je vais ouvrir la parenthèse pour finir à la famille. Dans toute famille, frères et sœurs, s'il n'y a pas la communication, sachez-le qu'il y a la division là-bas. Dans toute famille, si l'un et l'autre ne risquent pas pour les uns et les autres, sachez-le, il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a pas Dieu. Je vous dis la vérité. Quand vous voyez ces choses, vous parlez entre vous, rien ne fonctionne. Je ne vous dis pas d'aller vous séparer, mais prie Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux. Il y a un esprit derrière. Si ça vous dépasse, même si les hommes de Dieu prient, rien ne change, prends le départ. Parce que c'est ta vie que tu vas perdre. Alléluia. Parce que les Oprah sont dans la maison, viennent à travers les parents. Les Oprah entrent, l'esprit de Oprah entre là où il y a les parents qui est bien. Ils viennent, ils mettent la séparation. Lorsque, même si vous commencez l'amour à la famille, vous avez premier enfant, deuxième enfant, vous allez remarquer, les choses prennent le balance. Les hommes disent, c'est parce que maman y est, l'enfant, il donne l'amour aux enfants. Mais en réalité, c'est faux. L'esprit de Oprah vient avec les dégoûts. Et l'esprit de Oprah normalise toutes les choses. La femme peut se réveiller le matin, elle ne prend pas le bain jusqu'au soir, quand le mari va retourner. Mais comment toi tu es? Tu es bizarre. Tu m'insultes, je suis sale fille. Et ceci, cela. Le feu entre dans la famille. Alléluia. J'entrerai en profondeur dans le jour à venir sur l'esprit de Oprah. L'esprit de Oprah a fonctionné avant même Oprah lui-même. Ça a commencé dans le Babylone. Quand l'esprit là est venu, ça produit ce qu'on appelle l'infidélité dans la famille. Le sentiment là de ne pas obéir encore à votre propre mari. La désobéissance dans la famille. Alléluia. Le Oprah, ce sont des gens qui freinent. Quand vous avez Oprah dans votre vie, autour de toi, frère, tu peux aller travailler ailleurs. On peut appeler 5 fois, 10 fois, faire l'interview. Mon frère, on va aller quelque part. On part avec toi, m'appeler l'interview. Quand tu arrives là-bas, papa, on ne t'a pas appelé, c'est comment? Tu ne vois pas que tu viens en retard? L'interview, c'était à 10h30. Elle dit, ah, non, mais c'est 10h45, seulement 5 minutes de retard. J'ai dit, nous sommes désolés, tu es parti. Le jour où tu ne seras pas avec Oprah, tu gagnes l'interview. Les Oprah sont là pour te rabaisser. Les Oprah sont là quand l'esprit de la bénédiction vient, les Oprah bloquent. L'esprit de la bénédiction n'entre pas chez vous. Vous devez vous contrôler, frère. Les gens qui sont autour de vous. Le sorcier ne blague pas avec des relations. Amen. Seulement nous, les chrétiens, qu'on blague. Pasteur, je veux que je marche avec toi. Tu viens, tu restes là. Tu es en train de freiner. Papa Félix, tu es devenu ingénieur. Hein? Moi, au Congo, je faisais les choses là avec les gens de SNL. On peut commencer à travailler. Depuis que tu es venu, assise.
Même les clients qui appelaient Papa Félix avant, ma bengara les sous-souter. Pourquoi? Parce que depuis Oprah est venu dans ta vie. Même dans les ministères, nos ministères sont détruits. Pourquoi? Parce que nous avons choisi les mauvaises personnes autour de nous. Par les sentiments de la chair, par les sentiments du cœur. On a choisi les gens de venir travailler avec nous. On a choisi les gens de nous accompagner dans le mariage. Surtout les filles, viens m'accompagner. My boyfriend, call me, I go see him. Tu prends ton ami. Quand tu pars avec elle là-bas, le boyfriend est fini. Est-ce qu'on peut prier? Faut-il du temps? Tellement on a travaillé hier beaucoup. Mais le jour, on va parler sur ça, frère. Tes enfants étaient bien. Ta femme était bien. Le jour seulement ta femme est allée faire les pédicures, ce jour-là, quand elle rentre à la maison, papa, namoni yo linga kangate. Baninga bazo kende Dubaï. Les gens voyagent à Dubaï. Hein? Ton argent part où? Hi! Depuis quand ces choses? Parce que tu as raconté Oprah là-bas. Oprah t'a déguisé. Oprah a mené loin de ta famille. Mais les esprits de Oprah, seulement par la puissance de Dieu, peuvent faire ça. Dans la famille, frère, analysez. Quand vous voyez cet esprit autour de vous, levez-vous dans la prière forte. Parce que Oprah s'impose. Oprah se multiplie. Oprah ne fonctionne pas seule. Si, parce que vous ne connaissez pas ce livre-là, mais je crois que vous connaissez par l'histoire, dans le livre de Tob, le Tob fils, l'ange de l'Éternel lui a dit, cette femme que tu vois, physiquement tu ne sauras pas. L'ange a dit, je te montrerai des principes. La première chose, l'ange a dit, tu dois te séparer avec ta famille pour faire quoi? Pour délivrer cette femme. Alléluia. Cet esprit incarne nos familles aujourd'hui. Nos familles sont en train de pleurer de jour en nuit. Pourquoi? Parce que mon mari a fait une relation avec un homme. Pourquoi? Parce que une personne. Nos familles sont en train de subir des choses par l'inconscience de nous-mêmes. Retournez à la maison, frère. Analysez notre vie. Analysez nos frères. Analysez nos femmes. Analysez nos mamans. Vous verrez, il y a un changement qui n'est pas ordinaire. Il y a un changement qui n'est pas normal. Tout un coup comme ça, ta femme est devenue fainéante. Maman va travailler. Oh non, misalana na lingi angote. Misalana lingi bote. Mais au début, c'est toi, tu poussais papa. Laisse qu'on part chercher le travail qu'on fait pour nos enfants. Je vais voyager. Je vais vendre mes voitures. Mais tout un coup comme ça, parce que on t'a dit, bisotosa ba africain, mobile ya roki komone la yote, tu es fini. Quand tu seras à l'extérieur, c'est eux-mêmes, ils seront en train de te manquer de toi. Retournez à la maison, frère. Analysez votre vie. Les hauts bras sont toujours autour de nous. Les hauts princes sont là, ils ont même la capacité, cette capacité peuvent même aimer votre mari. Cette capacité peuvent même séduire votre femme afin de détruire votre vie. Ne blague pas avec les hauts frères. Mais la Bible me dit, l'Éternel s'élève le dernier pour sauver ceux qui se confient à lui. Lorsque vous avez la confiance à Dieu, l'Éternel ne vous laissera pas comme ça. La Bible dit ceci dans le livre de Ésaïe, chapitre 3, verset 6. La Bible dit, quand les séraphins sont élevés, ils ont couvert leurs yeux, mais ils sont en train de crier, Saint, 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 trois fois Saint, parce que l'Éternel est Dieu, il s'est élevé le dernier. Mais Isaïe dit ceci, j'ai entendu double fois, la voix de l'Éternel est descendue pour faire sauver le peuple d'Israël, parce que celui qui se confie à l'Éternel, l'Éternel est, sauve sa vie. Je vais te laisser partir, frère. Ta famille est comment? Quel est l'esprit qui contrôle ta famille? Quel est l'esprit qui anime?
même sur nos enfants aujourd'hui. Depuis qu'ils se sont rencontrés avec les gens, le mauvaises choses entrent à eux. La haine, la jalousie dans nos vies, frères. Oprah est partie. Est-ce que réellement, si Oprah part, réellement toi, tu t'attacheras à la voix de Dieu aussi? Tu peux dire, Oprah est partie. Mais la phrase de Ruth était puissante. Ruth a dit, je vais m'attacher à toi. Je veux que tu prennes une bonne position aujourd'hui, toi aussi. Tu peux condamner aussi, frère. Tu peux condamner aussi, maman. Tu peux condamner aussi, Yaya. Mais est-ce que toi aussi, il y a les deux pieds à l'intérieur? Ou soit il y a un pied, mais tu cherches la grâce. Revenez, frère. Les Oprah, ils sont là aussi pour te freiner. Il faut que Oprah part. Mais est-ce que toi, tu vas t'attacher à cette parole? Est-ce que toi, tu as aussi l'amour dans ton cœur? Est-ce que toi aussi, tu as l'amour de soutenir, de pardonner, d'être sincère? Nous voulons prier. Comme j'avais dit, je ne prends pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mais au moins, ce que je t'ai venu t'interpeller, tu dois contrôler ton entourage. Ne prenne pas n'importe quelle décision de s'accrocher aux gens. Les jeunes filles ne prennent pas n'importe quelle décision, je vais me marier avec cet homme, avec cette femme. Dans le monde spirituel, on ne blague pas, frère. On ne blague pas dans le monde spirituel. Tous tes gestes et tous tes actes dans le monde spirituel, ne blague pas. Mais toi, tout le monde et tes amis, tout le monde, tu partages avec tout le monde. Tu parles avec tout le monde, sauf rien. Mais tu es en train de pleurer. Incline ta tête. Premièrement, je veux que tu demandes pardon à Dieu aussi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. J'étais Oprah aussi pour quelqu'un. Moi aussi, j'ai freiné beaucoup de gens. À cause de mes comportements, à cause de mes caractères, j'ai freiné aussi beaucoup de gens. Je veux que tu me pardonnes. Lave-moi par ton sang. Prie au nom de Jésus-Christ. Open up, Lord, yeah. In abundance, I say, you breathe to follow me. Open up, Lord, yeah. In abundance, I say, you breathe to follow me. Baba oh, Baba oh, Baba oh, Baba oh. Je veux que tu pries maintenant, Dieu, cher Saint-Esprit, aide-moi, viens marcher avec moi, remplis-moi par ta plénitude. Cher Saint-Esprit, donne-moi des capacités, ouvre mes yeux, donne-moi la sagesse, oriente-moi. Je veux que tu pries sérieusement, Dieu, Seigneur, c'est maintenant ou jamais, donne-moi des capacités, remplis-moi par ta plénitude. Seigneur, donne-moi la force, trace le chemin encore, renouvelle encore ta bonté dans ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus que c'est de Nazareth, parce qu'il est Dieu, on va gérer. Baba oh, Baba oh, Baba oh, oh, open the flag in abundance. To follow me, open a flag, yeah, in a banner.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maman, est-ce que je peux prier pour vous? Notre maman. Avant la prière pour Nayo, je suis en train de voir déposer une couronne sur ta tête. Quand je regarde bien déposer la couronne sur ta tête, je vois on est en train d'écrire Fanachen. On est en train d'écrire finance. Quand je regarde encore deux fois très bien, je vois comme si vous êtes assise, entourée avec beaucoup de personnes. Mais quand je demande à Dieu, le Saint-Esprit me parle maintenant là. Il y a une autorité que le Seigneur a déposée sur toi comme un chef de la famille. C'est ce que je suis en train de voir. Cette autorité-là, je vois beaucoup de portes s'ouvrir, mais les portes-là, ça ne s'ouvre pas mobimbabouété, mais je vois au milieu. C'est comme si ma kati-kati, ma porte dans la maison est au fond. Le Seigneur me parle et me dit ceci, il t'a donné la sagesse de réparer les endroits. Précisément, quand je suis en train de voir comme l'autorité de la famille, je suis en train de voir comme tu es en train d'arranger des couples. Tu es en train d'arranger des couples par des conseils. Mais une chose, le Seigneur me dit de te dire encore, ne prenne pas la décision par la précipitation, par sous pression de la parole. À chaque fois que Olingo a décision, retourne-toi deux fois et prie Dieu. Dieu va faire beaucoup de choses à cela. Comme je vois le couronne écrit finance, je vois comme si service. Oh my God. Mais je vois, on écrit service. Ça passe vite sur ta tête. On est en train d'écrire service. Je suis en train de voir clair, ça passe sur ta tête. Service, service. Mais le couronne reste toujours sur ta tête. Et m'écrit sur le couronne finance. Mais je vois, ça passe vite, service, service, service. Kalabrabado shati yabade konta ina nozate. Lebra kasi amante. Le Dieu des esprits des prophètes. Je vois chiffre 3. Je vois chiffre 4. Et j'attends l'ange, il est en train d'appeler août. Le mois d'août. À partir de maintenant, maman. À partir de maintenant que je parle jusqu'au mois août. Il y aura une porte financière qui va s'ouvrir. Yes, il y aura un couple qui viendra vers toi. Le couple là, bako solo anayo makambu na bango. Bako yebi so problème na bango. Mais le couple là, bakoza l'attacher non penza makasite. Mais problème na bango yo mutundo ko pesa yango solution. Bakoza na confiance na yo mingi mais bakoza l'attacher non parce que nazo mona bango baza distance na yo. Mais yo mutundo ko pesa bango solution na couple na nazo mona. Mais nazo mona baza place mon côté na yo boza mo distance. Mais le Seigneur me parle encore clair et nazo kango très clair. Le Seigneur me dit yo mutundo ko pesa bango solution na couple wana. Mais à partir de maintenant ici, parce que j'ai écouté le mois de août, le Seigneur me dit à partir de maintenant il y aura une porte financière au fonga mana vie na yo. Et il y aura la stabilité. Je suis en train de voir comme si tu es en train d'ouvrir des portes, beaucoup de portes, mais je vois des portes là, c'est comme César Bastor, c'est comme César ma maison. On est en train de, je vois clair, on est en train de vendre des histoires, c'est comme s'il y a des maisons. Il y a des maisons comme ça. Mais je suis en train de voir ton cœur pleurer. Quand je vois ton cœur pleurer et je vois là, bazoko ma famille, tu pleures beaucoup pour ta famille.
Quand je parle de la famille, je ne parle pas de tes enfants. Non, je parle de ta famille biologique. C'est ce que je suis en train de voir, Claire. Je te vois pleurer dans le cœur. Et maintenant, quand tu as bazoko ma famille, tu es en train de pleurer pour ta famille. Tu es une forte femme. Ce qui est sûr, ce que je vois, tu es une forte femme. Le Seigneur reprend encore. Ne prenne pas les décisions sous pression de la parole. Prie Dieu et Dieu va t'orienter. Vous êtes une forte femme. À travers toi, beaucoup de couples seront rétablis par votre sagesse. Élève nos mains, je vais prier pour notre maman. Yahweh, le Dieu des esprits des prophètes, tu m'as oint, Seigneur, pour rendre les âmes libres, pour guérir les cœurs brisés. Paro sati abate. Maman, tu connais Annie? Annie, je ne sais pas si tu la connais, parce que je suis en train de voir écrit sur ta tête Annie. Retenez ce nom-là, Annie. Écrit sur ta tête ici, Annie, Annie. Je vois ça clair. Père, je bénis ta servante. Couvre sa vie, Yahweh. Répand la sagesse et l'intelligence ainsi sa vie. Que Samy prospère. Que la main toute touche toutes choses. Toutes choses, elle touchera, Seigneur, que ces choses obéissent. Que la nature obéisse ainsi sa vie. Console son cœur, Yahweh. Qu'elle soit le repos pour sa famille. Que sa bouche soit pour la consolation de sa famille, Seigneur. Utilise sa bouche, qu'elle soit importante dans tous les lieux, dans tous les domaines. My God, je te vois comme si Balatu sur Bilamba, il y a un docteur comme si hôpital. Je vois Balatu sur Bilamba, c'est comme si tu fais les services déjà à un nurse, il y a un docteur, des choses comme ça. Je te vois Balatu sur Bilamba, bon. C'est beaucoup de visions que je suis en train de voir. Je vois ça clair. Il y a hôpital, il y a un hôpital. C'est comme docteur, c'est comme nurse. Mais tu es habillé dans l'hôpital. Je vois ça clair. Retenez le nom de Annie. Le nom de Annie. Seigneur, on te dit merci. Que son chemin soit couvert. Zela oko tanzambe ba angelo no batambola nae. Na hôpital na bisika osala kolo batela pesa mayele pesa solution na mituna nae yo zanzambe o sova kama bota repent grâce na le kola vinae in Jesus mighty name. Je finis par ici. Abiga, viens, je vais prier pour toi. Protège sa vie, Seigneur. Que la grâce et la faveur couvrent sa vie. Laisse que l'onction couvre sa vie, Seigneur. Tout homme de la nuit que le diable a déployé sur sa vie, je les sépare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges couvrent sa vie. Le sang de l'agneau couvre sa vie, Seigneur. Qu'elle devienne invisible. Que le diable ne les touche à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu.
je suis vraiment fatigué. Tenez nos offrandes. Seigneur, je bénis l'offrande de mon frère et ma sœur, que la grâce et la faveur marchent avec eux. In Jesus' name we pray, amen. Tu as ta dîme, viens avec ça. Tu as ta dîme, tu as votre action de grâce. Tu avais pris l'engagement, viens avec ça et on va prier. Bénis ta servante, que la grâce a couvert sa vie au nom de Jésus. Amen. Apprenez à faire les dîmes. Si tu n'as pas les cash, va voir Jonathan, ou soit Jonathan passera à côté là. God bless you. My God. Maman, vous allez rester un peu, on va parler. Il faut qu'on parle, moi et toi. Thank you, Jesus. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes à la fin. Chaque dimanche, nous sommes ici de 10h30 à 12h30. Nous sommes ici en train de prier le Seigneur. Comme j'avais dit, c'est moi ici. Nous étions là en train d'enseigner seulement. Le mois prochain, on va démarrer 30 jours de prière. Nous serons ici chaque samedi et dimanche. On va commencer à prier. On appelle ça Tolonacé. Donc nous serons ici prier même les dimanches. Amen. Donc, viens avec des problèmes, viens avec toutes les choses. Nous serons ici prier. Ce mois de juillet, tout le jour du mois de juillet, nous serons en prière. Amen. Pour ce qui concerne les programmes des États-Unis, c'est pour cela que nous allons nous retourner ici seulement chaque samedi et dimanche. Amen. Les autres jours, les gens seront au travail, mais à l'attitude de la prière. Chaque dimanche, nous serons en jeûne. Quand il est minuit, 0h, jusqu'à 12h, quand on va finir, là, on va rentrer manger. Tout le mois de juillet ici. Chaque dimanche, nous serons à l'état de jeûne jusqu'au 31 juillet. Samedi, nous serons ici en train de prier. Boutola, mon micro. Samedi, nous serons ici prier. Minuit, on commence notre jeûne.